Alors bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode sur Subnautica. Donc j'ai été chercher du quartz, du titane, et donc je vous propose qu'on aille installer par exemple maintenant quelques nouveaux panneaux solaires parce qu'on peut voir que ben, j'ai toujours ce problème. C'est toujours le même problème. Et donc ben, ce serait cool de pouvoir faire des petits panneaux solaires. Alors, où est-ce que c'était? Allez. Ah voilà. De quartz, de titane. Qu'on en refasse encore un. C'est moi ou on dirait qu'on devrait les démonter. Attendez, on doit peut-être les réparer. Soleil 55%. Bizarre ça. Charge 3 sur 25. Que si j'en mets un, je sais pas, en disons, disons ici. Ah, qu'est-ce qui me manque? Du titane et du quartz. Ok. J'avais pas prévu d'en faire plus, mais bon. J'ai assez de titane de toute façon. Hop, et du quartz. Alors, qu'est-ce qu'on apprend comme info? 57%. Charge 22 sur 25. 3 sur 25. 0 sur 25. C'est vraiment trop bizarre. Est-ce qu'on peut mettre un panneau solaire là au-dessus, vous croyez? Je suppose que j'ai pas assez de quartz. Je vais déjà mettre une bonne partie. J'ai du titane, mais j'ai pas le quartz. Allez. Je crois que maintenant on aura assez. Voilà, 350 d'énergie. Je crois que ça ira vite. Mais au moins on a de quoi. Je crois que c'est quand même important qu'on ait assez d'énergie pour après. Alors, le but de la vidéo aujourd'hui, après avoir fait ça, ce sera de aller sur la, aller proche de la Terre en fait. Là, je sais pas si vous vous souvenez. Donc, je vous propose qu'on aille par là-bas. Voilà. Je crois qu'on a. Est-ce que j'ai tout qui est chargé? Ouais, c'est bon. Plus ou moins, quoi. Mais bon. Alors, comment ça se fait que j'ai l'amélioration ici, mais que j'ai pas le truc d'amélioration? Je sais plus comment ça se fait. Je crois que je devrais aller revoir mes propres vidéos pour ça. Alors, c'est parti. Est-ce qu'on avait assez de place? Ah ouais, un œuf. Je vais peut-être aller juste le replacer vite fait. Enfin, vite fait. Histoire qu'on ait de la place. Allez, hop, hop, hop. On le dépose. Voilà. Allez, on y va. C'est parti. On va aller voir la formation géologique là-bas. Je crois pas qu'on avait une fois été déjà là, je suis pas sûr. Ou peut-être une fois un peu en mode vite fait. Mais c'est tout, je crois. Donc je me suis dit, bah, pourquoi pas une fois aller là-bas.
pour peut-être justement trouver, en fait, c'est trouver des nouvelles. Le but, c'est que je trouve des nouvelles zones et donc des nouvelles petites boîtes là pour aller de plus en plus loin, quoi, tout simplement. Alors, santé 77%. Je vais peut-être. Attendez, c'est du quartz, ça? Ouais, mais le quartz, on n'en a pas besoin pour le moment. Donc, j'aurais dû complètement vider mon inventaire. J'ai oublié, mais bon. Donc voilà, on va vraiment vers notre formation géologique là. Alors, je vais aller dans le fond. Parce que peut-être qu'on peut trouver des petites choses sympathiques dans le fond. Du coup, voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici? Ouh là 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 là. Oups. Et regardez. Ah, mais oui, je crois qu'on avait déjà été. Mais genre, regardez, voilà, c'était juste que max 300 et on s'est pas allé plus bas en fait, nous. Avec Nosimos, on sait pas, et je crois que c'était ça. Alors, on va aller voir hein, quand même, c'est quand même intéressant de savoir ce qu'il y a là-bas. Formation les géologiques. D'accord, mais est-ce que. On va voir ce que ça fait, 300? J'aimerais bien savoir parce que je crois que c'est ça. Déjà, est-ce qu'il y a des monstres autour? Oula, c'est quoi ça? What? C'est quoi ce truc? Bon. Allez, on va voir. Est-ce qu'on peut scanner ça? Pas. Contre, ça, je vais essayer de scanner hein, quand même. Je sais pas scanner. C'est vraiment trop bizarre, hein. Je comprends pas comment. Je suis sûr qu'on peut casser ça. Oula, ça m'a fait peur. Et ça, on peut casser, non? Allez, je vais retourner. C'est bizarre, hein. Formation géologique, d'accord, mais. Les enfants. D'oxyde d'aluminium. Bon, je crois que c'est très bien que ce que je fais, mais notre but c'est vraiment de trouver des petites zones. Et c'est quoi ça? Donc, je vais un peu continuer parce que bref, voilà, je sais pas quoi faire d'autre pour trouver des bonnes petites zones. Heureusement qu'on a le truc qui nous avertit parce que sinon. Je sais pas du tout par où je vais. Hein. Ça va? Si jamais vous me demandez, j'avance juste tout droit. Oula. Que je remonterai un peu. C'est fou
faux, on voit pas où est le haut du bas, quoi. Ah oui, là-bas il y avait le truc, hein. Il y avait notre. Alors. Attendez. La formation géologique elle était où? Elle était ici. Pour moi, il y avait aussi notre. Il y avait aussi la Terre ici. Non? Ah mais oui, là-bas. Oula, on est. Oh, je suis blindé loin. Ça, j'avais déjà exploré, hein, donc je sais pas si vraiment ce sera pertinent d'aller réexplorer. Donc je propose qu'on aille vers la droite en fait. Par ici. Je vais quand même aller continuer là-bas pour voir. Redescend. C'est cool ça qu'on puisse, si on a une vitesse, on puisse rester longtemps en hauteur. Parce que si je vais vraiment droit. Ouais, je sais pas en fait. Bon. Ça fait un peu peur quand même, hein, tout ça dans le noir, comme ça dans la cour. J'aimerais bien trouver une nouvelle zone, j'aimerais bien avoir tous les nouveaux petits trucs, moi. Oh! Waouh! C'est quoi ça? Ça, on n'avait jamais vu, hein. Attendez, est-ce qu'il y a peut-être eu. Ah, c'est une boîte, ça, non? Regardez. Ça, c'est une boîte à scanner. Ah, c'était fragment de console de quelque chose, mais j'ai pas vu quoi. Est-ce que ce sera marqué là-dedans, non? Niveau de radiation accru détecté. Mais pourtant j'avais des. J'avais enlevé tout ça. Ça me fait peur ce bruit parce que j'ai peur que ce soit les, vous voyez, les gros trucs méchants. Ah, encore un truc ici à scanner. Schéma débloqué. Ah, on a la station? Attendez, attendez, on a la station ou pas? Oui, ça c'est le nouveau truc, le prone. Copie à gaz. Bon, est-ce que j'ai compris, on a le schéma, hein? Continuer à explorer un peu quand même. Comme j'ai jamais été par ici, ça peut vraiment être intéressant. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Oh.
Vous avez vu ce truc? Non, ça fait trop peur. Bon, mais je crois que c'était ça, la fameuse machine. La fameuse... Ça fait trop peur. Oh, j'ai été tellement saisi. Oh, c'est horrible. Oh, c'était horrible. Oh. Comment j'ai eu peur. Bon, elle ne nous suit pas quand même, hein. Non. Bon, je vais ressortir juste pour réparer un peu. Oh, j'ai eu tellement peur. En plus, je me suis dit, c'est bon, on a perdu notre Simos, quoi. Vu à la vitesse où on s'est fait. Oh, c'était horrible. Bon, ben, on sait que par là, ben, il y a la petite machine. Oups. Bon. Je propose qu'on retourne à la base maintenant. Hein. On a voulu un peu explorer, mais c'était peut-être un peu trop risqué. On va quand même continuer à voir ici. Hein. Et donc, attendez, parce que j'aimerais bien savoir vers où on était. Ok, on était vers la droite alors. Bon, bah, apparemment, c'est pas l'endroit où il faut aller. Ici, on est d'accord qu'il n'y a plus rien. Ah. Ah non. Alors ici, il y a peut-être des petits trucs, hein. Qui a eu le tube. C'est bien fait parce que quand on se rapproche trop, il y a vraiment une sorte de reflet et on voit pas bien, donc c'est cool. Bon, ben on va aller se ranger, hein. Hop. 190, ben c'est pas mal ça, 190. Bon, je crois qu'on va rapidement perdre parce qu'on va devoir charger la batterie. Mais... Bon. Ah oui, attendez, attendez. On a la principale nouveauté quand même. Oui, alors du verre, circuit intégré et titane. Ok, allez. Du coup, le verre, il nous faut du quartz. Et le quartz, j'en ai plus et je me suis dit, ah, il faudrait faire prendre ça après, c'est pas grave. Et ben maintenant, c'est trop tard. On va regarder ce qu'il me faut. Hein. Alors, pour du verre, il nous faut deux quartz. Attendez, j'ai un quartz sur moi. Et j'ai un autre quartz ici. Allez. Voilà. Du coup, j'ai du verre. Parfait. Hop. Verre. Ok, maintenant, qu'est-ce qu'il nous fallait encore? Deux circuits intégrés. Ok, titane, on est d'accord que c'est ça. Ouais. Alors, deux circuits intégrés. Nous faut des séchants de corail. Et du quartz. Encore du quartz. Minerai d'argent et du corail plat. Alors, je sais que j'ai du corail plat ici. Non? Ah non, c'est pas du corail. Ah si, j'en ai là. J'en ai un. Pas deux. Et de l'argent, il n'y en a pas non plus. Il y en a peut-être là, hein. Ça ne m'étonnerait pas. Plomb, argent. Voilà. Bon, mais je crois qu'on va devoir aller à la recherche. Ces deux petits trucs, hein. C'est donc du quartz
et des échantillons de corail plat. Allez. Que je vais faire, c'est que je vais juste aller là. Ça va plus vite en fait comme ça. Voilà, hop. Alors, où est-ce qu'on va trouver du corail plat déjà? D'habitude, c'est toujours ici, non? Ah, ici, on a du corail plat. Ah oui, on a bientôt pu avoir. Ah, ici encore du quartz, mais c'est parfait ça. Donc il nous faut juste le corail et c'est bon. Et voilà le corail. Parfait. Trop bien. On a exactement ce qu'on demande. Hop là. C'est vraiment cool. Je suis content qu'on arrive à... On ait enfin eu notre station de modification, quoi. Ça, c'est bien. Alors, enfin, on est encore. On l'a débloqué, quoi. Maintenant, il va falloir le construire, mais ça va aller, ça. Alors, oui, je vais d'abord boire. Hop. Voilà, on va prendre un peu à manger. Ça nourrit pas énormément, mais c'est un truc qui est rapide à faire, du coup. Voilà. Alors, donc, attendez, hein. Faut que j'en vais reprendre de l'argent. Ou j'en avais déjà pris? Ouais, j'en avais déjà pris. Ok, donc on répète, on doit avoir deux circuits intégrés et deux titanes. Ok, donc il nous faut deux circuits intégrés maintenant. Absolument. Voilà. Et de 1. Et de 2. Voilà. Alors, on va chercher notre petit titane. Voilà. Et maintenant, on va tout aller installer. Station de modification. Alors, on peut la faire où ça? Ouais, apparemment. Oh ouais! Ça, c'est cool. Et en plus, on a un fabricateur ici. Ah ouais, ça c'est bien aussi. Renforce le châssis. Mais comment ça se fait que j'avais déjà un truc pour renforcer le châssis? Prone suit mode. Attendez, c'est quoi ça? Ah ouais, c'est pour faire le prone justement. Est-ce qu'il nous explique comment faire? Distène, sulfure et lingot de pastacé. Ouais, d'accord. Mais je ne l'ai pas débloqué, je crois. Hein. On l'a d'office débloqué. Non, on ne le débloque pas d'office. Torpille. Donc vous voyez, on peut faire des torpilles. Et là, on peut faire des modules. Système de défense, système à torpille. C'est quoi les défenses? Champ électrique. Ok. Système de diffusion sous-marin standard, conçu pour lancer les torpilles. Oh, un sonar! Oh, ça peut être intéressant ça. Chargeur solaire, pff, moyen. Ok, donc il nous faudrait. On fera ça de façon à la prochaine vidéo. Hein, mais voilà. Bon, et eh ben, après cet épisode mouvementé, mais fort sympathique, je vais vous laisser. J'espère que l'épisode vous a plu. Et je vous dis à très bientôt. Allez, ciao!